frères et maîtres, qu'est-ce qu'un religieux? De nos jours, dans les milieux éclairés, on prononce ce terme avec ironie, parfois même comme une injure. Et cela va en augmentant. Il est vrai, hélas, qu'on compte même parmi les moines bien des fainéants, sensuels et paillards, bien d'effrontés vagabonds. Vous n'êtes que des paresseux, des membres inutiles de la société, vivant du travail d'autrui, des mendiants sans vergogne. Cependant, combien de moines sont humbles et doux? Combien aspirent à la solitude pour s'y livrer à de ferventes prières? On ne parle guère d'eux. On les passe même sous silence, et j'étonnerai bien des gens en disant que ce sont eux qui sauveront peut-être encore une fois la terre russe. Car ils sont vraiment prêts, pour le jour et l'heure, le mois et l'année. Ils gardent dans leur solitude l'image du Christ, splendide et intacte, dans la pureté de la vérité divine, léguée par les pères de l'Église, les apôtres et les martyrs, et quand l'heure sera venue, ils la révéleront au monde ébranlé. C'est une grande idée. Cette étoile brillera à l'Orient. Voilà ce que je pense des religieux. Se peut-il que je me trompe, que ce soit de la présomption? Regardez tous ces gens qui se dressent au-dessus du peuple chrétien. N'ont-ils pas altéré l'image de Dieu et sa vérité? Ils ont la science, mais une science assujettie au sens. Quant au monde spirituel, la moitié supérieure de l'être humain, on le repousse, on le bannit allègrement, même avec haine. Le monde a proclamé la liberté, ces dernières années surtout. Mais que représente cette liberté? Rien que l'esclavage et le suicide. Car le monde dit, tu as des besoins, assouvis-les. Tu possèdes les mêmes droits que les grands et les riches. Ne crains donc pas de les assouvir, accrois-les même. Voilà ce qu'on enseigne maintenant. Telle est leur conception de la liberté. Et que résulte-t-il de ce droit à accroître les besoins? Chez les riches, la solitude et le suicide spirituel. Chez les pauvres, l'envie et le meurtre, car on a conféré des droits, mais on n'a pas encore indiqué les moyens d'assouvir les besoins. On assure que le monde, en abrégeant les distances, en transmettant la pensée dans les airs, s'unira toujours davantage, que la fraternité régnera. Hélas, ne croyez pas à cette union des hommes. Concevant la liberté comme l'accroissement des besoins et leur prompte satisfaction, ils altèrent leur nature, car ils font naître en eux une foule de désirs insensés, d'habitudes et d'imaginations absurdes. Ils ne vivent que pour s'envier mutuellement, pour la sensualité et l'ostentation. Donner des dîners, voyager, posséder des équipages, des grades, des valets, passe pour une nécessité à laquelle on sacrifie jusqu'à sa vie, son honneur et l'amour de l'humanité. On se tuera même, faute de pouvoir la satisfaire. Il en est de même chez ceux qui ne sont pas riches. Quant aux pauvres, l'inassouvissement des besoins et l'envie sont pour le moment noyés dans l'ivresse. Mais bientôt, au lieu de vin, ils s'enivreront de sang. C'est le but vers lequel on les mène. Dites-moi si un tel homme est libre. Un champion de l'idée me racontait un jour qu'étant en prison, on le priva de tabac, et que cette privation lui fut si pénible qu'il faillit trahir son idée pour en obtenir. Or, cet individu prétendait lutter pour l'humanité. De quoi peut-il être capable? Tout au plus d'un effort momentané qu'il ne soutiendra pas longtemps. Rien d'étonnant à ce que les hommes aient rencontré la servitude au lieu de la liberté, et qu'au lieu de servir la fraternité et l'union, ils soient tombés dans la désunion et la solitude, comme me le disait jadis mon hôte mystérieux et mon maître. Aussi, l'idée du dévouement à l'humanité, de la fraternité, de la solidarité, disparaît-elle graduellement dans le monde? En réalité, on l'accueille même avec dérision, car comment se défaire de ses habitudes? Où ira ce prisonnier des besoins innombrables que lui-même a inventés? Dans la solitude, il se soucie fort peu de la collectivité. En fin de compte, les biens matériels se sont accrus,
et la joie a diminué. Bien différente est la vie du religieux. On se moque de l'obéissance, du jeûne, de la prière. Cependant, c'est la seule voie qui conduise à la vraie liberté. Je retranche les besoins superflus, je dompte et je flagelle par l'obéissance ma volonté égoïste et hautaine. Je parviens ainsi, avec l'aide de Dieu, à la liberté de l'esprit et avec elle à la gaieté spirituelle. Lequel d'entre eux est plus capable d'exalter une grande idée, de se mettre à son service? Le riche isolé ou le religieux affranchi de la tyrannie des habitudes? On fait au religieux un grief de son isolement. En te retirant dans un monastère pour faire ton salut, tu désertes la cause fraternelle de l'humanité. Mais voyons qui sert le plus la fraternité. Car l'isolement est de leur côté, non du nôtre. Mais ils ne le remarquent pas. C'est de notre milieu que sortirent jadis les hommes d'action du peuple. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi de nos jours? Ces jeûneurs et ces taciturnes doux et humbles se lèveront pour servir une noble cause. C'est le peuple qui sauvera la Russie. Le monastère russe fut toujours avec le peuple. Si le peuple est isolé, nous le sommes aussi. Il partage notre foi, et un homme politique incroyant ne fera jamais rien en Russie, fût-il sincère et doué de génie. Souvenez-vous-en, le peuple terrassera l'athée et la Russie sera unifiée dans l'orthodoxie. Préservez le peuple et veillez sur son cœur, instruisez-le dans la paix. Voilà notre mission de religieux, car ce peuple porte Dieu en lui.